Je tiens à préciser, j'ai pas forcément de blagues en stock. Merde. Ah. Eh ben, on va t'en demander exprès. On va essayer de relever le niveau, on va parler de culture. Ah, ça me va. Bon, allez, je lance. J'ai rien préparé non plus pour ça. Bon, tu m'énerves. Bon, allez, on lance. Salut tout le monde. L'engaiement, quoi. Genre, gros engaiement. Ah, c'est ça ton début? Ah, je sais pas, là, je... On le refait. Ah, clap. Coucou. Bon, en vrai de vrai, salut tout le monde ici, Vincent Studio pour Dofus, voilà, on est avec les mêmes et on repart. C'est bien, hein? Donc tu nous dis plus, t'en as plus rien à foutre, ah non, non, t'es vraiment en mode David Lafarge. Vous dites bonjour, okay, si vous en avez envie, vous vous démerdez au bout d'un moment, attends, je suis pas ta mère. Mais d'ailleurs, elle risque d'appeler Vega. Je suis pas ta mère. Non, non, non. J'ai prévu le coup, je l'ai lui ai téléphoné ce matin, et je lui ai bien dit, maintenant, en fin d'après-midi, tu me fais taper. Donc voilà, elle m'a dit oui, oui, j'ai compris, y'a pas de soucis. Néanmoins, j'ai le téléphone à côté, au cas où si Brigitte appelle, je réponds. Ah putain, si c'est ma mère qui appelle, je pète un plomb, quoi. Si ta mère appelle, je passe un haut-parleur. Non! Sa vie privée! Mais non, mais on va pas parler privée, on va lui dire coucou, t'es la guest. Ah non, non, pas de maman sur le stream, hein. C'est mort. On avait dit pas les mamans. On a dit pas les mamans. D'ailleurs, si tu veux remettre une annonce, c'est quand tu veux. Vu qu'on est en ligne et que nous sommes présentés. Quelle annonce? Une annonce pour quoi? Une annonce pour que quelqu'un s'est... à follow, peut-être? Ah oui, c'est vrai. Ah, pardon. Le pauvre. S'il faut, il nous regarde et toi, tu le bafoues. T'as baffé mon honneur, je te provoque en duel. C'est quoi déjà le truc où on peut faire des dons là? Je sais plus. C'est mon adresse perso, à mon nom, sur mon compte en banque. Si vous voulez, je vous file mon rib. Et cette vidéo est sponsorisée par SudVPN. Par en commun. Vous connaissez Red Shadow Legend? Par Audible. Ah oui, par Audible. Et si tu rentres le code Yvasun Studio, ben on t'offre un livre. Aïe, bah, aïe. Ça serait cool d'offrir des livres. Oui. Le livre s'appelle « Tous mes amis sont morts ». Quoi? Quoi? J'ai un livre qui s'appelle « Tous mes amis sont morts ». Ah bon? Ça va sinon la gaieté chez toi ou... T'es un peu plus joyeux. Ouais, j'ai plus joyeux. Le dictionnaire là. T'as eu la notif ou pas? Non. Je l'ai mis pourtant. Et je ne l'ai pas eu. Donc en fait, je l'ai eu alors qu'on était hors ligne, mais là qu'on est en ligne, je l'ai pas. C'est quand même balèze. Hein. Tous mes amis sont morts. Je peux même pas la rebalancer une troisième fois. Attends, mais c'est surtout. Ah, ça y est, elle vient d'arriver. Tous mes amis sont morts. C'est un diplodocus qui dit tous mes amis sont morts. Oh putain, c'est le truc des dinosaures. Je tourne la page, un dodo qui dit tous mes amis sont morts. Et un vieux qui dit la plupart de mes amis sont morts. Je tourne la page. Comment? Oh, tous mes amis sont morts. Mais c'est quoi ce livre? Un arbre qui dit tous mes amis finissent en table basse. Et vous? Et il y a une table basse qui dit je n'ai jamais été ami avec ce gars. Et l'arbre il dit zut. On peut pas le clipper. C'est le mythique qui dit tous mes amis sont des mythes. Et là t'as un mec qui est déguisé en Loch Ness qui dit je ressens à peu près la même chose. Sinon t'es connecté, on va pouvoir jouer. Il y a un zombie qui dit tous mes amis sont morts vivants. J'en peux plus. Un jour vous allez m'achever sans déconner. Si vous dites ça, je vous lirai le. la suite. Voyage au bout de la nuit. Oh putain, je t'imagine sur un canapé en Amazon avec ton bouquin. Et Draken est difficilement le tome 2. Bon, maintenant qu'on est tous connectés, on va voir Amaero et... Amaero.
et on lui rend ses putains de casques. Voilà. Et merci Phébus alias Garden de nous suivre, c'est très gentil à toi. Et quand tu veux pour discuter en MP, de nouveau, il n'y a aucun problème, ça fait longtemps. Pas maintenant, reste parce qu'on stream. Reste là, Eric. Envoie-moi le message maintenant. Mais il est là. Ah bon? Là, on prend la porte en haut à gauche. En haut à gauche, il n'y a pas de porte. Il y a juste une ouverture avec un point jaune et vert. On prend l'escalier qui monte. Il y a un escalier qui monte. Ah oui, faut le voir. Ah oui, putain. J'ai vu les deux qui descendent, mais alors celui qui monte, ça a été une épreuve, quoi. Oh, c'est le formulaire de 40 ans. Et maintenant, faut repartir à la foire du trouble. Ouais. Youpi, on va faire des cadeaux et on attendez, va jouer attendez, des attendez, jeux. Attendez, attendez, attendez. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on est rentré dans la salle avec le monsieur au chapeau centurion, là. Oui. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu de ton... à l'écran, toi, t'avais un truc à cliquer. Moi, non. Est-ce que t'as relancé la quête auprès de My Hero? Ça commence bien. Ouais. Il faut que tu repartes voir un My Hero et... Je veux bien, mais la porte du tribunal est fermée à clé. Quoi? Hein? Putain, je crois que t'as pas pris le bon escalier, je crois. Ah oui, je pense, oui. Bah, je suis devant... Ah non, faut descendre. Oui. C'est pas grave. On va se ressaisir, hein, parce que là, déjà, on est en retard, puis ensuite, on fait n'importe quoi. faut se mettre un petit coup de jeu, là. Allez, on est parti. Tu me dis quand t'es bon, on va te dire le zap le plus proche. Non mais je vais vous téléporter. Tu me TP, bon bah vas-y, nous TP. Enfin, quelqu'un qui veut bien nous TP. C'est bon, j'ai rien dit, c'est bon. Ok. Impec. Ben nous attendons la téléportation. Tu téléportes où? À la maison fantôme. Dans la maison grotte. Oh la vache. Le mec à côté de Thuringe, il s'appelle Satyrev au niveau 1. In vino veritas. Mm-hmm. Putain. Bah, d'ailleurs, il y a une fausse. Pourquoi c'est au niveau 1 et pas au niveau ni? Bon, bref. Au moins, j'ai traduit. J'ai traduit le jeu de mots. Je suis content. Dans le vin, la vérité. Ah, j'étais plus près. T'étais plus près. Mais j'étais à l'entrée du... Alors pourquoi tu t'es TP? Putain, mais c'est un labyrinthe ce truc. Ah bon? C'est mon cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la foire du troll. D'accord. J'aime bien comment on lui dit ça, genre ben ouais. Mmh. Bah d'abord, c'est un vendu trop. Faut parler à quelqu'un en particulier? Et oui, il faut partir en moins 11, moins 37. Ah, il y a une quête. Salut. Rapporter le formulaire à ma héro. Oh putain. Ah oui, quand même. Je prends la quête. Prends-la si tu veux. La foire au gobe, se débarrasser d'un gobelin inquiet, d'un superstitieux. Oh mon dieu, non. On les fera plus tard. Hein. Ouais, je sais, ouais. J'aimerais juste qu'elle soit pas dans mon arbre de quête. Sur le côté. Eh ben, tu oui, je cliques sais. Sur Merci. La quête et tu fais ne plus suivre. Pourtant, ça donnait des ballons. Un ballon jaune magique. Putain, faut en tuer 7, quoi. C'est les 7 nains ou. Donc voilà, faut parler à lui, faut lui faire remplir le formulaire. Et dès que t'as fini, tu devineras jamais où il faut aller. Avoir mayonnaise? Oh putain. C'est ça? Oui. Oui. Mais y a plus de respect, quoi. Enfin, il s'appelle toujours un My Hero, merde. Enfin, un My Hero, virgule, merde. Ouais, il faut retourner voir. Oh non, mais.
suis prêt. Je peux vous re-téléporter, mais il faut attendre 3 minutes. Ouais, non, on va se TP via le zap. Hein. C'est quel zap, t'as dit, Thomas ? Les massifs de Cagnard. Ok. Pourquoi tu peux... Tu l'as déjà fait, ça, Louis ? Ça, quoi ? Pourquoi tu peux déjà nous re-téléporter ? Parce que je savais qu'il fallait y retourner, donc... T'es resté là-bas ? Ben non, j'ai parlé à Emiro et je suis revenu. Emiro ? Oui. C'est incroyable, hein ? Je comprends pas ce que tu n'arrives pas à dire dans Amagiro. Non plus. C'est un mystère. La référence du PNJ qu'il faut trouver maintenant, c'est une très bonne référence. Léon Zitroul ? Bah c'est Léon Zitron, oui, c'est un animateur, oui, enfin, feu, un animateur français. Ah ben la voilà ta culture. Et voilà, tu voulais un point culture. Ben le voilà le jus d'orange. Aïe aïe. Et mais moi aussi je joue au foot. Oh non. Hein. On jouait à... On jouait à Scribble.io, en fait c'est un... Pour ceux qui connaissent un truc pas, où il faut deviner. Alors, déjà, c'est pas un truc où il faut deviner, c'est comme un Pictionary. Ça va beaucoup plus vite. Ça consiste en quoi ? À deviner. Merci. Mais pas juste deviner, putain, vous êtes pénible, quoi. C'est comme si c'était 2 plus 2 égale, ben là, tu devines. Alors que c'est pas du tout le même jeu, bordel ! Non, tu calcules, tu devines ah, pas. Ah, je vais te gifler. Ah, elle va partir, celle-là, hein. Elle est entrée. L'entrée, elle est en, dans en 11 en bas. 36. J'en peux plus. Bah tu devines. Bon bref, on jouait donc à Scribble.io, donc le Pictionary. Et il a fallu que je fasse deviner un Kinder Bueno. Donc j'ai dessiné la scène de l'autre qui joue au foot et qui dit oui. Oh merde. Et franchement c'était le meilleur dessin. C'était pas du tout le meilleur dessin. C'est mais... quoi le zap où il faut aller ? Massif de Cagnard. Et après il faut monter jusqu'en moins 11, moins 37. Et après il faut retourner... Ah non, faut aller voir Yova Etna. Je l'ai pas. Je et Yova Etna c'est la voyante. Est-ce qu'on achète une peluche lui ? On va un burger de troule. On va attendre les autres. Je n'ai pas le zap. Ah, ah mince. Bah, est-ce que t'as les plaines rocheuses ? Attends, là ça fait 5 minutes, non ? J'ai les plaines rocheuses, oui. Attends, je vais te taper. Pourquoi il y a autant de gens dans cette tente ? Parce que Yova Etna, elle sert dans plein de quêtes. Hein ? Dans le... La quête de du Dofus Emerald dans plein de quêtes. Ah quand même. Ah, c'est une voyante, hein, après tout. Elle voit tout. Mais oui. Voilà. Ah oui, c'est là. T'iras plus vite. Donc tu retournes voir Léon Zitron là. Et après, tu vas voir Yovotna. Attends, mais il est où Léon Zitron ? Il est en moins 11, moins 37. Oh. Moins 11. Moins 37. La montagne russe, elle est fonctionnelle ou pas ? Non, non, non. Attends, on peut rien faire dans ce jeu. Aïe. Faut aller au Burger. Aller voir Yova Etna. Oui. Qui se situe en haut à droite. En haut et à droite. Donc en bas à gauche.
Quoi? Ah, c'était pas juste, c'était pas juste en haut à droite, c'était pour vraiment aller tout en haut, tout en haut et à droite. D'accord. Vers le haut et vers la droite, si tu veux. Mais t'as pas un point de repère sur ta carte? J'ai plus assez de place pour les points de repère. T'as plus assez de place, pourquoi? Parce qu'il suit toutes les quêtes du monde qu'on a prises et qui servent pas. Voilà. C'est un peu ça. C'est bon, Thomas, il a tout fini. Il nous attend pour faire le donjon blob. Là. C'est vrai? Oui. Je peux vous TP si vous voulez. Et quoi? Je fais comme lui? Comment ça, je fais comme lui? J'ai même pas parlé à Yova, moi. Et moi, je suis juste mais devant tu peux TP les gens. Mon burger. Tu peux TP les gens? Attends. De quoi? Moi, tu pouvais TP les gens? Ben, moi, je fais pareil. D'accord. Tu peux pas nous TP à bon temps, non? Ah, Jake, viens dans la tente. T'as une potion de bonta! Ah ben tu me l'as pas donné donc c'est pas toi qui l'as fait. Tu parles à Yova? Quelques squids. Oui. Demander des informations diverses. Ouais. Quel souvenir plairait au neveu? D'accord. Et demander où se trouve Maximus. Maximus, je crois que je l'ai déjà croisé lui. Bon, en attendant. Donc tu sors de la tente. Oui, si j'y arrive. Oh mon dieu. Voilà. Il y a un homme vigévant qui vient de dire quelque chose. Tu descends et à gauche. Il vient de dire... La fête du slip, tu connais, c'est l'occasion d'en changer, mais tu as le droit de le faire plus souvent. C'est dégueulasse. Et une chaussette qui dit « Ma seule amie est portée disparue ». Putain, il lit la suite du livre. Évidemment. C'est bon, Jay? Ben oui, j'attends que ça se charge. Que mon personnage bouge, ça serait pas mal. Ah. Non, lag pas, non. C'est une bouteille de lait qui dit « Tous mes amis ont expiré mardi ». Putain, il était long le chargement là. C'est un clown qui dit j'ai déjà fait pleurer deux enfants aujourd'hui. Oh putain. Mais on peut pas clipper, c'est trop long. Tu cliques sur Maxime et tu fais acheter vendre. Ouais. C'est un sac qui dit tu achètes tous mes amis sont sauts 2017. Un burger? Oui. 600 kama. C'est cher hein. Et maintenant tu retournes à Bonta. Ok, c'est tout. Pas de frites, pas de hot dog. Non, que un cocard. Light, s'il vous plaît. Un bonhomme de neige qui dit tous mes amis ne sont plus que des flaques. Oh, c'est un poulet qui dit tous mes amis sont au KFC. Tes amis sont délicieux. C'est un mec qui parle au poulet. Vous dites hein, si je vous TP. Mais tu l'as chopé où ce bouquin? Ouais, il est dans toutes les bonnes librairies sur Amazon. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter ça? Le titre. Le tabi d'Amayero. Oh putain, faut faire les blobs. Putain, il a bouffé le burger à la place de... Mais quel enfoiré. On va devoir faire les blancs. Je suis prêt. Ouais, t'as lancé la quête, le tabi? Oui. Ouais, j'ai lancé la quête du tabi. Ouais. Le tabi d'Amayero. On va faire blob et j'ai le son, donc on va pouvoir entendre Stéphane Bern. Ah, je suis content. Mais on n'a pas de clé. Ah, mais c'est bon, ça fait déjà une semaine. On a le trousseau. Ça fait déjà plus d'une semaine, ça fait au moins un mois et demi qu'on est sur les quêtes d'Amayero. Bon, t'as demandé là bah, moi, je suis rentré. On utilise le trousseau de Claf.
Jake part à la biblop. Il en manque une. Il est où le biblop? Tout en haut à droite. C'est une mouche qui dit tous mes amis seront morts d'ici 24 heures. Allez, tout le monde est là, c'est parti. Ouais. C'est dommage parce que là, il y avait une page où il y avait au moins 100 mots. Quoi? Un échange, si tu veux. Ah, merci. Un échange, si tu veux. Ça va aller. Merci. Oh, les pires chelles du monde, quoi. On les fait pas, c'est pas grave, on trace, là. Ce serait bien qu'on privilégie un peu la vitesse à l'expérience pour une fois. Ah, slow route. Quoi? Ah, slow route. Mais c'est pas sur la route. Si. Mais et depuis quand on chante cette merde au fait? Ça c'est une bonne question, non? Saint-Macroude. Blop. Ils ont pas pris trop de dégâts, donc on les a pas entendus encore. Sans force, c'est pour Thomas. Putain, je vais pas pouvoir les toucher. Oh non, cette haine. Bob là. Un bordel de merde. Merci. Mais invoque-le. Oh. Salut. Paf paf. Oh. Blop blop. Il me manque un sort là. Bah. Il te manque un sort. Oui, il y a un sort qui a disparu. Picada. Picada. Parfa la vendetta. Si, la burrata. Si, la burrata. Je tue un en particulier. Ah, mais tous les jours où il y a la burrata. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est bon ça. J'aime tellement. Ok. Bah oui, j'aime la burrata. Nice. Ah, au fait, on a oublié de le faire. Bon, avec du lave. Quoi? Mais il s'était transformé en. En pleutre et, ah. Et on l'a pas vu. Donc je suis très déçu. On l'a pas vu. On l'a pas vu. C'est dommage, cette année il y aura pas d'Eurovision. Oh non. Je suis dégoûté. Oh mais grave. Arrête, c'est la meilleure chance de regarder Eurovision avec Twitter à côté. Maman qui t'engueule. Quoi? Un mec, il avait fait tout un tableau pour se souvenir des chansons et les noter une à une. Et le mec, pour se souvenir de la chanson, il avait mis « Maman qui t'engueule ». C'est le meilleur du monde. Ah, il y a un biblop là. Blau. Tue-le. Tue-le. Appuie. Il est trop loin. Bah non, j'ai encore des PM, mais j'ai pas assez de PA. Oh.
quelle indignité. Tue-le. Je peux pas. Oh. Même avec un autre sort. Même avec un chapeau fou. Même avec. Non, pas le chapeau, putain. Mais pourquoi t'as dit ça? Mais il tape quoi? Il a rien tapé, il a tapé le vide. Il a cherché le biblop en fait. Mais le chaton, il a trouvé le biblop, putain. J'en peux plus de ces invoques de merde. C'est une catastrophe. Eh ben. Mais attends, il faut que le biblop meure. Ah, pardon, j'avais oublié ce petit détail. Si, mais qu'est-ce qui se passe? On a tout cassé les jolies chaussures. Oh putain, tout ce pain que j'ai. Tout ce pain que j'ai pas besoin de manger. J'ai pas perdu un point de vie. Soignez vous aime moi dans cette excité de ce Kremlin. On fait un challenge sur cette map, on l'a toujours pas fait. Pour quel mob? Pour le rouge ou le bleu, je sais plus. Ah. Ah oh, okay. Contamination est possible. Oh, le petit d'abord aussi. Hein. Bah, le petit d'abord aussi. Non. Regarde, 5 tours de jeu, c'est énorme. Mais c'est pour ça, c'était pas 3. Si, je crois que c'était 3 ou 4. Non. Si. Moi, j'ai toujours vu 5. 5, non. Peut-être genre, un point on s'entretue 9, entre nous, quoi. C'est ça. Genre, ou finir le combat en moins de 5... ou finir le combat en moins de 5 tours, ou ne jamais se faire toucher. Mais ça fonctionne aussi avec les ennemis, non? Ah non, c'est un allié. Ok, j'ai rien dit. Vite, vite, vite! Occupe-toi du rouge! Qu'est-ce qu'il chante? Je connais pas, c'est. C'est de. Non! Quoi? Une case, une seule case. Bon, bah, c'est, pas rien, hein. C'est pas comme si t'allais enlever 720 d'un coup. En ton vrai, il aurait pu. Il tape haut le chaton, non? Oui. Oui, il tape haut. Miaou. Putain, je suis à Babelwood les bains, moi aussi, quoi. Oh putain, j'en touche. Heureusement, je t'ai donné un PM. Tiens, voilà. Ah, c'est drôle. Aïe! Oula. J'ai fait tomber mon briquet. Pourquoi t'as pas tapé l'autre? Parce qu'on peut faire les petits d'abord ah aussi. Oui, c'est vrai. Un briquet, toi. Oui, pour allumer des bougies. D'accord, oui, c'est la seule utilité que j'ai d'un briquet, donc calmez-vous, s'il vous plaît. Je ne fume pas. Toujours pas, donc voilà. J'ai droit d'avoir mon briquet. Et de chanter. James. Quoi? Sortez les briques, sortez les briques! Oui! Il y a comme goutte de haine quand je marche dans ma ville. Dans ma ville. Oui, dans ma ville. Mais elle le dit vite, donc. Non, il a fait une critique. Dommage. Ah. Et le chaton, peut-être, hein. Ouf, si loin, je sais pas. Hein. Le chaton, je pense qu'il va tuer le boule pignon. Non. Ouais. On peut faire les deux. Bon, il a pas fait les deux. Hop, hop. Je vais devenir un maître au tofu. Waouh. Les petits d'abord pour qui tue le indigo, ça va être rigolo. Hein. Ouais, bon, on fait que le. Bah, faudra savoir. Quoi? J'ai pas compris. Tu sais, après, il a juste à faire un tout ou rien, il le tue, le bloc indigo. Mmh.
Quelle indignité. Bah, de toute façon, Thomas, il va... Ouais. Il va affaiblir le... l'indigo, et voilà. Distance. À peau. Il faut que tu les tues tous. Ah, c'est bon, il est dessus. Ouais. Et maintenant, le chaton, il va tuer le tronco. Ouais, il va le tuer. Ouais. Ouais. On a gagné. Trop facile. Gloutoblop. Putain, le... Ce que t'as gagné comme expérience, Jake? Vite, vite. Eh, hey, mais je sais pas, moi... Le 7? On y va? Oui. Je sais pas, moi, le 7? Mais là... C'est bon, lui, il attire pas. par contre, au revoir. Thomas, hein. Il joue en premier, quoi. Au revoir, Yves. Jake, mets... mets-toi là. Mais pourquoi? Où... Non, là, là-haut. Ah oui. Avec moi, là. Derrière Eric. Ouais, voilà. Oula, putain. Je doute de ma place dans la vie et dans la société. Mais non, je suis belle. Ah, ça m'a manqué. C'est drôle. Ah! Bon, oh, ils vont me tuer au prochain tour. Bah, surtout que j'ai plus de PO, moi. C'est pas grave. Tronco, c'est pas grave. Bah, si, c'est grave. Vous pouvez vous débrouiller sans moi, hein. Non. En fait, on se mûrit. Con comme il est, il va vouloir se diriger vers moi. Ça, c'est pas con comme réflexion. On va tellement rigoler. C'est pas con comme réflexion. En plus, je le tacle pas. Sans d'agilité. Oh fuck. Attention. Et. Non, c'est bon. Oh, pour une fois, il a pas été si con. Tiens, mais il a regagné de la vie en plus, ce bâtard. Oui. Comment ça va? Haine envers le glouton. C'est mal, ça. T'es presque. Ouais, mais je le tue pas. Oh non. Run. Ah, je serais pas allé par là, moi. Pourquoi? Non, mais ça va, il attire pas. Ah, on se demande que c'était pas des PM. Un jour, il va nous tuer, Guillaume. Alors, il va tous nous achever. Il y aurait écrit « La roulette dit mourrez ». Et on va tous crever, quoi. J'en étais sûr qu'il allait le faire, le bruit. J'en étais sûr. J'attendais que ça, hein.
Mais le challenge. Oh! C'est tout ce que j'avais à dire. Oh! De toute façon, on a fait un châle sur tous les mobs du donjon. Hein. On n'est pas obligé de les faire. Hein. Pourquoi on n'a pas reçu... Parce qu'on n'a pas fait les biblops. Parce qu'il faut faire les biblops et ils sont hors du donjon. Voilà pourquoi... Plaou. 20 de dommages. Il reste que le blob coco. Hein? Il ne reste que le blob coco. Oui, oui. Et voilà, j'ai café, je fais le châle. Bah bravo. Pas... Non, c'est une blague. On s'en fout. Il y a un orage. Ah, d'accord, ok. Oh j'ai non compris. Quoi, un orage? Il y a un orage qui arrive, apparemment. Ah bon? Bah, c'est ce que j'avais dit à la météo, oui. Bon, j'ai un super ciel bleu. Hein. Oui, mais Colin, il a dit que ça arrivait et il a pas tort parce que ça a l'air gris. Et ah, apparemment, ça gronde Jackson. Et puis il est trop fan, donc il est tout content, là, ça m'énerve. Donc c'est Michael Jackson. Pourquoi c'est Michael Jackson? Parce qu'il est gris et qu'il gronde. Oh mon dieu, c'est tellement raciste. Mais il a rien demandé, le pauvre. Hein. Le mais pauvre? Quoi, le pauvre? Ben oui, le pauvre. Ah non, pas le pauvre. Là, on va pas être d'accord. Hein. On parle de Michael Jackson. Oui, oui. On va pas être d'accord. Hein. Non, pas le pauvre. Ah si, si. Ah non, non. Tu es sûr? Tu es un coup de fou. Qui c'est qui a chié le cheval? C'est Guillaume. Terre. On peut brûler. Pardon. Au vent. Des landes de pierre. Landes. Autour des lacs. Le Connemara. Non, c'est pour les vivants. Ouais, ça vivants. Va, je le connais pas par cœur. Moi, je déteste cette musique. Ah bon, t'es pas un bof? Ah, je le déteste, genre vraiment. Le jour où Sardou va décéder, on va l'entendre. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire, Thomas. On va le clipper. Pourquoi il s'y est dit? Ah bon, t'es pas un bof? C'est drôle. Il va y avoir jour de deuil national comme Johnny Hallyday. Ah mais c'est même pas un jour là, c'est 3 mois. Confinement. Ah, oh, reconfinement. Oh pitié. Et tous les soirs à 20h on écoute. Ah putain, ça serait trop drôle. Enfin, je sais pas trop au final. Non, le chevalier d'Astrub, il peut être au niveau 207. Parce que le... il est oméga 207. Enfin, il est niveau 200 plus 7 niveaux. Plus 7, oui, ça fait 207. Mais comment? Apprends les maths avec toi. Parce qu'après le niveau 200, il y a une... Méga. Si je suis déconnecté, ben c'est parce que... Ah, moi aussi, ça gronde. Parce crois. Que l'orage. Ah bon, moi, j'ai un super ciel bleu. Oui, bon, tu nous fais chier avec mais ton toi, ciel t'as bleu. La campagne. Nous aussi, ben, moi, si je tourne à gauche, je vois un super ciel bleu. Si je regarde à droite, c'est super gris, quoi. Oh, et puis, il y a 2 tourterelles sur un fil. Jake, reste pas là. Attends, je suis où, moi? Et qu'est-ce qu'elles font, les tourterelles, quand elles s'envolent, Thomas? Exactement. Mais il a mais pas pourquoi mangé. Il a pas bouffé son copain là. Ah putain, c'est trop drôle les tourterelles quoi. Je les déteste. Autant que les pigeons. En fait, je sais pas si ça gronde dehors ou si c'est quelqu'un qui bouge sa poubelle. Ah si, ça gronde, hein, gros moi. J'ai entendu un orage, ouais.
Bah non, t'as un super ciel bleu. Bah ouais, mais j'ai entendu un orage. C'est un ciel bleu. J'ai des orages avec un ciel bleu. Et bientôt la grêle. C'est ça. Demain matin, il y aura de la neige sur le Cotentin. Le Cotentin. Le Cotentin. Vous comprenez bien ce que... J'avais oublié. Pas sûr que ce soit utile un bouclier, mais bon. Sachant qu'il s'en fout des boucliers. Ouais, ouais parce qu'en fait, ça a usé. Ça a usé. Mais bordel! Bon, bah en priant que qu'il aille sur le champignon. Qui c'est à l'orage? Mais non. Oui, tout à fait. Le glutoblop. Pour éviter qu'il te tue. Attends, mais tu pouvais pas toucher les trois là? Mais je peux toucher Guillaume aussi. Ah. Bah, de toute façon, il est presque mort, donc. Et il a mis un bouclier. T'aurais pu taper dans. Tu pas presque mort. Ah, mais crois-moi, là, je pense que t'es mort, là. Oh, mais ils sont cons. Mais ils sont cons. Mais ils sont cons. C'est incroyable. T'as un cul monstrueux. Et l'autre qui se rapproche pour se faire bouffer. Oh, il lui a donné un PM. Oh putain. Run. Run quick. Non, je fais LIB. Oui, fais ça. Dommage. Tu vas dire que je suis pénible, mais... Alors déjà, tu vas pas te cacher derrière moi, crois-moi, je vais partir de là. Déjà. Non, je le tue. C'est bon, je le tue, lui. Déjà ça. Et autre chose. Ah mais, attends, je suis obligé de me décaler un petit peu. Voilà. Mais non, il va venir vers moi. Mais non, c'est mais bon. Non, oui. Regarde ça. Regarde ça. Il lui manque un peu. Regarde. Mais oui, mais il lui manque... Oh putain, mais... Ah. Parce que tu parles comme ça que ça fait une chose. Donc oui, quand tu sais que tu vas faire un tout ou rien, essaye de faire un bluff avant. Ah. Et oui, n'oublie pas surtout la roue de la fortune. Parce que là, t'as fait roue de la fortune, tout ou rien, et après bluff. Ce serait mieux de faire le bluff avant, parce que si tu critiques, tu gagnes de la chance, et donc tu feras plus de dégâts sur ton tout ou rien. Voilà. Okay. Parce que vu qu'en ce moment, bah, je rejoue les cas, crois-moi, le critique, je commence à... Et d'ailleurs, t'as pas trèfle ? Trèfle ? T'as pas le sort trèfle ? Ça me parle pas. Je pensais que c'était tôt. S'il faut, tu l'as pas, non. Hein, tu l'as plus tard, hein, mais... Mais ouais, le sort trèfle, c'est très fort, ça te garantit un coup critique. Et t'as certains de tes sorts en coup critique qui font des trucs monstrueux. Ah si, trèfle, pardon, oui, c'est un sort jaune, ouais. Ouais, c'est super fort, trèfle. C'est le must-have, si tu préfères. Putain. Alors, soit c'est l'orage, soit c'est les voisins qui s'amusent avec la poubelle à faire des tours de maison. Oui, ils adorent faire ça. Ils font des riffs avec la poubelle. Putain, c'est... Ouais, venez sort, là, tu la poubelle. Je crois qu'il nous... S'il nous entend, il va te détester. C'était pas visé. Moi, je le prends compte. Non, c'était pas visé. Bon, alors, il y a un truc à faire sur cette map. On fait le blop griotte. Alors, on clique sur Bibi Blop et on fait le griotte. Donc, la cerise. Oui, et on confirme le choix. Ah, un draken. Ça y est, tu l'as tilté.
Il dit attention. Hein. Ah ben, tu m'étonnes. Parce que oui, pour expliquer à Loulou. Et Jake a pris un niveau. Draken, il vient du nord. Oui, du nord-nord. Mais genre du nord-nord-nord, quoi. Bah alors, si tu parles comme Solo, ben ça va l'énerver. Je parle pas comme Solo. Ah, putain. Ah, il peut aussi se foutre de notre gueule et dire putain comme tout sud, hein. Je sais pas ce qu'on dit au sud de très. Je sais pas comment bien accentuer notre accent. Les chocolatines. Oh, attends, non, on va pas repartir là-dessus, ça me saoule. Bonjour, bon madame la boulangère. Pour mon petit déjeuner, je voudrais une chocolatine. Con. Oh, ben moi j'ai. Allez, on putain. Y va. Putain. Mets des baobabs. Quoi? Je crois que tout le monde dit baobab comme ça, en fait. C'est quoi baobab. Les challenges, les succès? J'oublie. Oh, putain. On va y arriver. Putain. T'as fermé la fenêtre? I'm scared. Colin, tu peux fermer la fenêtre? Ah, ben je l'ai eu, je l'ai entendu maintenant, moi. Je me chie dessus. Ah, moi, j'ai un grand ciel bleu. Moi, j'ai un grand ciel bleu. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. C'est quoi les succès? Non, mais duel et pas finir son tour à côté d'un ennemi, mais pas y arriver. Ah, oh, d'accord, bon, bah, on le fera jamais, c'est tout. Bon, je peux essayer de pas terminer son tour à côté d'un ennemi. Avec les biblops invisibles. Ah, il m'a surpris celui-là, mais genre, comme il faut. Il m'a essayé la dernière fois. Et on focus les biblops. Je vais faire une crise de 5 cards. C'est pas drôle, mais. J'ai mal au cœur. Et en plus, regarde, il te dit de faire duel. C'est bien. Et en plus, toi, en duel, bah, tu vas taper le blopin. Ah, mais non. Tu vas taper le tronco. Et Guillaume, il fait le royal. On peut faire ça. Et Thomas, il fait le champ. Le blopignon. Mais le royal, il vient pas de. Ah non, je viens de voir sa vie, j'ai rien dit. Vous voulez faire duel ou pas? Ben, on est en train de se demander. Louis, toi qui dis oui ou non. On peut essayer, oui. Allez, go. Non, tu t'occupes du blopignon. Moi, je m'occupe du gris. Je sais pas, le griot ou le royal. Mais prends-toi le royal, Eric, non? Je sais pas, parce que Guillaume, il fait des bonbons dégâts en haut, donc il risque de le tuer beaucoup plus vite. Ben, il a moins 12% dans tous les éléments. Ah ouais. Bon, je vais peut-être faire le royal et Guillaume, tu vas faire le griot. Et quand tu pourras, au pire, tu feras roue de la fortune sur les autres. Et finissez pas votre tour à côté après, d'un quoi. Ennemi. Et on finit pas à côté d'un ennemi, s'il vous plaît, ouais. Moi, j'ai le tronco? Non, toi, t'as le blopignon. Ok. Voilà. Et c'est Louis qui a le tronco et moi, je vais m'occuper du gros, quoi. Trop loin. Trop loin? Ouais. Ok. Mais alors, clair, comment je vais faire Putain, ok. Calmez-vous. Alors, ça... Ah, bleb. C'est une grosse poubelle, les one. Qui s'est fait tout là? Est-ce que je prends le bloc griot dans un coin ou pas? Pour pas vous gêner. Bleb. Tu fais ce que tu veux. Ah merde. Ah ça va, il est pas taclé. Il est pas taclé, what the fuck? C'est même cool. Moi je suis taclé. Attends, mais il y a un biblop dans le coin. C'est parce que je lui ai enlevé du tacle avec mon tofu. Je lui ai enlevé 20 en tacle. C'est pour ça qu'il peut. Ah c'est cool ça. Attaque en zone. Et là t'as touché quelqu'un d'autre. C'est pas très grave, hein, cela dit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on n'oublie pas... Ah merde, duel. Ouais, duel. Donc, toi, le blob griotte, et surtout, ne pas finir à côté d'un ennemi. Bah, ne pas finir à côté d'un ennemi... Non, là, t'es pas taclé, tu vas pouvoir te déplacer tranquille. Allez.
Sauf au niveau du champignon. Le champignon, par contre, te tacle. Donc, Je vais reculer dans ce cas. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Oui, tu passes par là et tu... Voilà. Moink. Pouf. Bluff. Ouais, donc du coup, donc rebluff. Ah, tu peux là. C'est... Par contre, tu touches que lui. Ah. Ouais. Ah oui, oui. Fais pas ton attaquant. C'est, si tu fais tout ou rien, essaie d'épargner les autres. Mais non, fais gaffe, il y a des biblops invisibles. Donc, ah putain, c'est vrai. Oula. Attends. Si on finit à côté d'un truc invisible, c'est mort. Oui, oui, mais ça, on peut pas le savoir. Oh. Blah. Il y a un peu trop de gens autour de moi. Attends, je le pousse de combien là? C'est bon. On va là-bas. Blop. On sent trop de tac. Et les ennemis et mes invoques, elles peuvent finir ou pas? Oui, les invoques, ça compte. Putain. J'aurais voulu bouger, c'était mort, quoi. Blop. Apparemment, il pleut sa race. Il pleut? Ah, ok. Ouais. Ok. Bah, j'entends de la pluie sur mon... Plein de sa race. Oui, c'est de la pluie de sa race, c'est pas la même pluie. Oh non. Sa race. Princesse Saras, elle est bien. Ah, y a les bâtiments qui tremblent. Oh putain. Vous m'entendez toujours? Oui. N'hésitez pas à faire un bruit constant, comme ça moi je sais si j'ai d'écho ou pas. D'accord. Racontez de constant, la merde, je m'en fous. Constant. Mais c'est pas possible. Mais quelle indignité. Voilà, il vit le meilleur de sa vie, là. C'est là en train de danser dans la cuisine pour invoquer la foudre. J'imagine bien la scène, ouais. Ah, mais franchement, moi aussi, je l'imagine vachement. Fais libé, Jake, fais libé. Non, mais non, il est pas taclé, si. Ah bon? Non, il est pas taclé, il peut bouger. Ah bon, ben c'est le champignon qui le tacle, donc t'approches pas du champignon. Si je vais sur la ligne à côté... C'est bon. Ok. Voilà. C'est tant que t'as pas contact avec le champignon, c'est bon. Et reste là parce qu'il y a un biblop, je sais pas trop où il est. Bon, au pire, recule. Ah, bah il est là le biblop, ça va. Ouais. Et en plus, l'autre il se rapproche, il est simple. Hop là. Moi, ne pas finir à côté d'un allié. Tu tues le bloc pignon ou pas, Louis? Non. De quoi? Le bloc pignon ou pas? Ah, le moi le biblop, pardon. Ben non, il a 50% en feu, je peux pas le tuer. D'accord. Putain, ce que je lui mets. Bah tant mieux. Ah bah oui. On va pas se plaindre. Regarde, il est quasiment... Il est pas quasiment... Oh non. Un biblop. Ça va, il est pas invisible. Ouais. Ouh, l'instant. Non, ça va, il va pas l'être. Et non, prochain tour, je pense que je tue le blob. Trop cool. Tiens, 624. Je pense que je peux le tuer. Enfin, j'espère que je vais y arriver. Donc en fait, j'aurais tué le boss tout seul, alors que vous galérez. Hein. L'enfoiré, tu sais. Vous galérez, vous êtes des prolos, c'est insupportable. Appuie. Ah non, tu peux... Oh, ça risque d'être tendu. Fais appui quand même. Ouais. Ah ben voilà, un pack. Et maintenant tu vas nous booster. Du coup tu peux... Falle. Peut-être le biblop, je sais pas si tu le tues en un coup. Non, il le tuera pas. De toute façon j'ai pas de... Il a plus de PA. Toujours que le blob griotte, ne pas finir à côté d'un ennemi, ne l'oublie pas. Hein. Bon bah le blob griotte c'est fini, sauf si tu fais un critique. Tu le tues. Ah ben un pack. Ouais. Bon bah tu peux rester tranquillement ici, ou alors booster Fiara. Et une roue, au pire. Non, pas la roue, non. Alors, moi, déjà ça.
Merde, c'est pas ça que je voulais faire, tant pis. Flop. Ah, peut-être pas, hein. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Oh merde. J'ai fini. Qui l'a fait? Bah, il téléporte, en fait, j'avais oublié. Au deuxième coup de... Par terre, il téléporte en... D'un côté à l'autre. Oh, mais la pluie de ses morts. C'est plus du... Non, c'est plus, la... c'est plus la pluie de Sarah, c'est la pluie de ses morts. On a réussi. Attends, je vais vérifier. Attends, oui, je vais vérifier. Et ne sortez pas du donjon. Masque de l'intrépide. Ouais, on a fait duel. On a fait... C'est bon, on a fait les deux. Impec. Et on sort pas du donjon. C'est pourquoi bon, ramenez une huile. Et la bouillie de fleurs, elle est où? Et il faut la fabriquer. Ah. Colin, il adore la pluie, il la regarde, là. Ben, ça vaut bien que j'ai nettoyé le balcon. Au final, il y a la pluie dessus, quoi. Mais, dis-toi qu'à partir du moment où tu nettoies un balcon ou les fenêtres, il pleut. Non, mais c'est insupportable. Genre, je me suis dit, allez, je vais nettoyer mon balcon. Il pleut. Mais nique ta mère. Ferme les volets. Mais quoi, ferme les volets? Bon, on peut sortir du donjon. Ah, mais tu sais pas comment c'est chez moi, donc oui, tu peux pas savoir. Mais oui, tu grave. Nous as jamais invités. Eh ben, écoute, quand on est, quand le confinement est terminé, lundi soir ou quand je peux, ben vous passez. Chouette. Avec plaisir. Bon, bon, on sort du donjon. Du donjon. Oui, Castel, on sort du donjon. Qu'est-ce que tu as dit, Guigui? Pendant ce temps, moi, j'attends toujours que quelqu'un passe sur Castel. Ben, écoute, désolé. J'ai pas mon permis. J'ai pas mon permis. Il y a le train. Quoi? De quoi? Le l'orage. Il y a l'orage. On n'a pas entendu. Non, il fait beau. Ah là là là. Bon, venez à Bonta. Oui, on va à Bonta. Faut aller au Concasse. C'est quoi le masque de l'intrépide? Quoi? Quoi? Je sais pas, il y avait marqué masque de l'intrépide quand j'ai up. T'as un nouveau sort? Ah, parce qu'il a EP. En fait, t'as plus besoin de points de sort, mais à un certain niveau... Bah attends. On va le faire ensemble, je vais le montrer même sur le stream. Ouvre ta page de sort. Quand ta page de sort est ouverte, tout en bas à gauche, écrit afficher tous les niveaux d'obtention. Tu cliques dessus. Et en fait, tes sorts peuvent prendre des niveaux. Genre, moi, par exemple, là, je le lis comme ça, c'est fait. Dragonique n'est pas pareil du niveau 1 au niveau 66. Il y a des dégâts en plus, un peu de portée. Oui, un point de portée, voilà. Donc, c'est cool. C'était ça qui me manquait. Voilà. Juste une parenthèse. Oui. C'est plus court en train de faire Toulouse-Matabiau-Castelnaudary que de faire la ligne B du métro de Toulouse, Ramonville-Bordeaux-Rouge. Tu m'étonnes. Ouais, mais je fais jamais la ligne B, donc voilà. Putain, mais quel... La ligne A, peu importe. Oh. Bon, rendez-vous à l'atelier des forgemages. Faut retourner voir Mayonnaise, c'est ça? Non, je viens de... Retour à Bonta. Moins 32, moins 55. Mais à l'atelier des forgemages. Prends une potion de Bonta. Mais je suis à Bonta. Je suis mais à Bonta. Tu vas en moins 32, moins 55. Une poubelle. Elle est pleine. De rien. Bah attends, ça doit pas être bien loin parce que la milice elle a un moins 33, moins 56. C'est oui, en dessous c'est du arbre à droite. Et du coup, on brise des objets? Tu fais fusionner. Normalement, je vous avais passé une fleur de blob de chaque couleur. J'espère que vous les avez gardées. Bah, Guillaume, il t'a filé toutes les ressources, donc je sais pas. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Non, je crois qu'il les a encore. On va vite le savoir, hein, de toute façon. Alors, je suis juste en dessous du zap. Tu moins rentres dans la maison. 50. Tu rentres dans la... Elle est où l'entrée de la maison? Mais elle est derrière tous les gens là, tu vois. Il y a une porte qui clappe derrière. Putain, d'accord, les... ouais, c'est vrai. À l'intérieur, il y a une espèce de caillou avec. En plein milieu, il y a une boule, un concasseur. Ouais. Tu cliques et tu fais fusionner les ressorts. La boule magique. Ouais. Tu fais afficher uniquement les recettes possibles. Oui. Tout en bas. De bloc. Aucune recette trouvée. Ah. Donc il a pas les fleurs. Ah, elle est pas répertoriée. Si. Si, elle y est. Hein. Ouais.
Oui. Est-ce que dans ton havresac ou sur ton... Moi, je l'ai pas. Hein. Dans l'inventaire de ton Volcorn, tu as des fleurs de blop. Havresac, il n'y a rien, ça, c'est sûr. Ouais. Parce que j'avais tout vidé. Et mon Volcorn a un inventaire. Oui. Ah, tu savais pas ? Ben non. Non. Quand tu cliques dans l'onglet monture... Que tu vois qu'elle est stérile. Oui, Marie-Noël est toujours stérile, oui, malheureusement. Tout en bas, tu as des icônes, tu as monté, descendre, nourrir, et tu as accédé à l'inventaire de la monture. Oui. Normalement, quand tu mets la souris dessus, t'as un raccourci clavier, normalement. J'ai peut-être cliqué trop vite, alors. Ferme l'inventaire. Ouais, j'y retourne. C'est CTRL-D pour l'inventaire de... Monture et CTRL-D en effet. Ouais. Voilà, CTRL. Donc ça te fait un espace de stockage en plus. Ouais, qui est vide. Voilà. Ça veut dire qu'il a pas les fleurs. Et dans ta banque, t'as rien ? Moi j'avais les fleurs sur moi. J'ai rien là. La recette était pas affichée. Bah, je vais acheter les fleurs. Bah attends, j'en ai deux moi en plus. J'arrive. J'arrive. Hôtel de vente. Mais attends, j'arrive. Quoi, t'en as une de chaque ? Mais pas une de chaque, mais j'en ai. Ah, mais il en faut une de chaque. Je vais lui changer. Du coup, t'as quelle couleur ? Mais quoi, que je j'achète vais vous les gifler, deux là. Pour que j'achète les deux autres. Mais j'ai compris. Il est là. Alors, échanger, c'est où dans la liste ? Parce que là, les listes, elles sont un peu grandes. Alors, je vais lui donner une indigo, une coco, et c'est tout. Ok. Donc, il manque la griotte et la verte, j'oublie toujours son prénom. Très net. Merci. Incroyable, on a fait un donjon bloc. Aïe. De quel enfer cet atelier, j'avais oublié quoi. Ouais. C'est bon? Oui, tu peux recliquer sur le concasseur. Et faire ta recette. N'oublie pas que c'est fusionner les ressources. Pour faire une bouillie. Oui. C'est ça. C'est pas très gourmand ni croquant. Hein. Ah, pas du tout, non. Et maintenant, on retourne voir mayonnaise. Ouais, c'est mon PNJ préféré. Putain, pas moi. T'en auras d'autres, t'inquiète pas. Moi, déjà, dans le haut du classement, il y a Carla Jengré. Carla Jengré ? Carla, plus loin, Jengré. C'est la meilleure du monde. On la voit pas souvent, on la voit 2-3 mois dans l'année, mais elle existe. Carla Jengré, putain. Puis après, il y a Fécalis, Chester. Fécalis. Alors, est-ce qu'on lui dit accepter par rapport à la voyante qui lui a révélé ce matin que machin, blablabla, blablabla. Oui, bla, tu bla, prends bla, notre bla. Quête, oui. Oui, oui, oui. Je sais pas où il est, Captain Harlock. Il faut aller Capitana. Voir Captain Harlock. Mais ah, il est au Zap. Il est au Zap, juste à côté. Il a fumé quoi à My Hero ? Parce que depuis le début des quêtes, il est quand même perché, ce mec, hein. C'est vrai. Oh putain, faut aller dans le cimetière. Alors, allez voir le capitaine. Oui, oui. Il se situe où ? Juste. Au Zap. Ah, la map à droite. Après, faudra aller à la taverne de Fébec. Nardin Fubuck. Couvrir la carte tombe de Tsog. Ouais.
Faut aller au cimetière de Montois. Et soyez contents, c'est la dernière quête d'alignement qu'on fait. Pour le moment. Oui. Non, l'avant-dernière. Oh putain. Parce qu'après, il y a la quête de spécialisation. Ah, c'est vrai. J'avais oublié ça. Oh, déjà faire élite. Bah, j'en ai vu que deux, tu vas me dire, pour l'instant. Ouais, deux autres. C'est pas grave. Je suis à la taverne de Feubuck. Et tu vas en... Tu vas demain pas à droite. Tu vas en moins 21, moins 61. Ah, il fallait pas aller dans la taverne ? Non. Non. Bon, mais je sors alors. Tu sors, tu vas deux fois à droite pour sortir de Bonta. Et après, tu vas en moins 21, 59... Non. Moins 21, moins 61. Merci. Moins 21, moins 61, ok. Mais t'es venu vite. Pour une fois. Mais oui, je connais les raccourcis. Ah, c'est pas moi qui la pète, en plus. Faut cliquer sur le... Sur la tombe. Bon, on va attendre Jacounet. Moins 21, moins 51. Un point moins qui s'est 61. Mis dans 61, 61. Je me suis dit, un non, il va partir qui... dans l'autre sens. je suis quand même parti dans l'autre sens. Hein. Ah, d'accord. T'as pas un point qui s'est... un repère qui s'y est mis? Ben non, parce qu'il a toutes les quêtes du monde acceptées, donc il a pas les points de repère. Voilà. C'est quand même dommage. Va falloir que tu ouvres tes quêtes et que toutes les quêtes que tu suis, tu les enlèves. Hein. Ouais. Comme ça, au moins, tu seras plus tranquille et ça sera beaucoup plus graphique. Déjà, tu devrais peut-être enlever les quêtes des Wabbits parce que on n'ira plus jamais. Ah bon? Mais si, frère. Non, c'est juste que Thomas est un casse-couille. Attention, ça va péter bientôt. Il y a un éclair. Un éclair à la famille. Ah ouais. Oh, il était timide. Où tu vas, Jack? Ben, moins bon. 21, moins 61. Ben, t'y es, là. Et on y est. Oui, voilà. Il voit même plus ton perso, il nous reconnaît plus. Et on clique sur la tombe. Non, ça on sert à rien. Maintenant, il faut se transformer en fantôme. Donc on va perdre plein de combats. Non. C'est une blague? Ben non. T'en c'est-à-dire... Est-ce que on peut 40 000 faire, est-ce qu'on peut faire un silence vocal? Alors, je reviens, je vais à la fenêtre. Oula. Mais ça pas fini, ce bordel. Je sais pas trop ce qui se passe, mais... Ok. Ah mais oui, mais il va falloir perdre 20 millions, là. Alors, point météo. Oui. Y. Le ciel se couvre dans les plaines du Lauragais. Va falloir perdre 14 combats, justement. Oh la vache. Est-ce que ça dépend du groupe ou non, on peut perdre contre un pion? Ça dépend de ton niveau, en fait. Bon, bah c'est parti, je commence. Bah pourquoi vous Jake, viens. Bah parce qu'on fait tous abandonner. Ah. Ah, on abandonne. Ah oui, oui. Faut, ça, on abandonne. Oui. Oh, ça ira beaucoup plus vite. Ouais, faut le faire 14 fois, quoi. Sérieux? Oui. Quand vous abandonnez, vous retournez où? Je sais pas, moi. T'es où, Louis? Bah, il a déjà abandonné. Hein. On abandonne ça même à le pré? Oui. Sauf que moi, je peux pas le faire parce que je suis le chef d'équipe. Mais on retourne au temple des 12. Il est en bas de terminer son tour. Donc Jack qui retourne au temple des 12. Je crois. Thomas. Oui. Moi je retourne à Astrub. Astrub, Thomas tu retournes où? À Astrub. Ok. De toute façon on peut faire on un peu n'importe. Faut boucler sur les pioux et puis basta. Ouais. C'est triste. Oui, perdre contre un pew, c'est vraiment alors, triste. Hein.
à l'avant-dernier combat, ne mourrez pas à Astrub. D'accord. Pourquoi ? Arrêtez-vous avant. Putain, mais faut les trouver, les pioux, en plus. Donc c'est au total 14, mais on s'arrête, on ne meurt plus au 13. En fait, tu peux regarder ta barre de d'énergie quand tu appuies sur caractéristiques. Ta ton expérience et ta ton énergie. Il faut que ton énergie soit supérieure à 700, on va dire. Oui, tu perds 660 à chaque défaite. Non, mais j'arrête pas de mourir là. <J'ai fait. rire> Sinon, Jake, quand tu mets ta souris sur la jauge que tu as, tu vois ton cœur en bas, avec ton nombre de PV. Ouais. En bas à droite, t'as une jauge avec ton niveau. Oui. Tu fais un clic droit. Oui. Jauge personnalisée. Pas beaucoup. Point d'énergie, c'est ça? Et tu mets point d'énergie. Ok. Et quand tu en as moins de 660, tu t'arrêtes. Les mecs, ils doivent se dire, mais c'est qui ces mongols qui perdent comme ça? Surtout que moi, j'ai un groupe de un piou jaune. Oui, moi aussi. C'est genre juste un, quoi. Ah merde, c'est mon piou. En bas du dos, t'as un gros groupe. Prends-moi mon piou. Il est trop fort de ce piou. C'est un archi monstre, il est trop fort. Ah la vache. Eh mon groupe de. Tiens, je te le rends. Merci. Il est trop fort. Aïe. La persuasion du piou jaune. Putain, mais le temps de charger le combat, mais je mets 8 ans et demi, quoi. Moi, c'est le temps de quitter la map du zap. Oh merde. T'es mort avant ? Non, mais dis pas que j'ai crash. Ah, mais là, les chargements, ça devient. Je vais partir ailleurs, tant pis. Ouais, moi je vais changer de zap. Ah ouais, c'est Astrub là, c'est. On va bugger, on va chialer. Où est-ce qu'il n'y a pas de monde? Devine. Il y a un truc qui s'appelle le village des éleveurs. Sauf que c'est un peu plus long. Il y a du monde là-bas. J'aurais dû aller. Ah, je sais où aller. Un endroit qui est complètement paumé. Je vais aller. Wow, je suis déjà à la moitié, faites gaffe, hein. Putain, j'ai pas perdu beaucoup de fois. Un frigo, c'est du bon. Oh putain, ouais. J'en suis à combien? En plus, je perds tous les charges. J'en suis à 5000. C'est chiant. J'en suis à 5660, quoi. Ah, ça arrache, y'a du monde. Ah, ça va. Putain, le stream intéressant, les mecs se forcent à crever, quoi. Moi, je suis au Wabbit. Ah non, mais c'est mort, là, j'ai crash, hein. T'as crash ? T'as crash. Ouais. Oh, putain. Bon, il restait un quart d'heure, mais... Un quart d'heure par rapport à la demi-heure de retard ? Ah ben oui, tant pis, on a dit 19, c'est 19, c'est tant pis pour vous. Me reste 1720. Mais si tu crashes et qu'on arrête, du coup qu'on déco, notre énergie, elle va remonter. Oui. Donc je propose qu'on finisse la quête. Ah, ce truc, c'était pas le bon plan. Hein. Ouais. Bah si, moi ça va. Déjà, moi, rien qu'au bord de la forêt maléfique, c'est...
Je suis à 2080 sur 10 000. Il faut qu'au prochain combat, on meure. Il faut qu'on meure sur la map de la tombe, c'est ça? Non, dans la zone du cimetière. Comme ça, le phénix que tu vas prendre, il sera... D'accord. Okay. Bon, ben, je fais ma dernière défaite. Votre énergie est dangereusement basse. Voilà. Quand tu reçois ce message, tu retournes dans le cimetière. C'est-à-dire qu'au prochain combat... Ouais. Et tu ne vas pas ressusciter au phénix. Tu restes un fantôme. Je suis à 760. Eh bien, t'as le droit de perdre un combat en plus. Ouais. Tu peux encore perdre. Ah, désolé. Ce buc... Ok. Donc là, faut retourner dans la zone du cimetière. Oui, retourne au cimetière. Et le message, votre énergie est dangereusement basse? Oui. Ouais, je suis à 100 sur 10 000. Donc... Heureusement que ça aggro pas. Ok, Gobonta. Il est où le phénix? Je ne vais pas au phénix, hein. Reste un fantôme. Je suis pas un fantôme. Ah. Alors, turn the fuck. Là, je suis sur la map du... Comment ça s'appelle? Ben, meurs. Sur la map du truc. Ben, meurs. Est-ce que dans ton inventaire, tu as une pelle de boisaille? Non. Normalement, je t'en ai passé une. Je sais pas. Oh, me dis pas que Guillaume te l'a rendu. Oui, j'en ai eu. Non, je crois pas, non. Je vais regarder. Tu l'as, Thomas? Mmh. Attends, j'arrive. Non, je l'ai l'appel. Ok, très bien. Ça va. Ça va répéter. Ou alors on m'a pris en photo parce que je suis super sexy. Ça doit être ça, oui. Ah, merci d'y croire. Salaud. Je n'en ai jamais douté. Oula, oula. Bon, je deviens. C'est pour ça qu'il fait toujours jour chez moi. La tristesse. Vous pouvez me rappeler les coordonnées de la tombe? T'es pas obligé d'aller sur cette map là, tant que t'es dans le cimetière, c'est bon. Ah, et je lance n'importe quel combat et je meurs. Oui, oh c'est ça. Mais je suis à. Là où il y a tous les facochères, les gliglitch et tout ça là. Les gligli? Ouais, bah. Oh l'enfer. C'est obligé de mourir, faut pas abandonner. Oui, hein. Tu dois mourir, oui. Ok. Bah non, je peux pas abandonner. Thomas, t'es mort? Oui, mais j'ai abandonné. Ok. Ouais, moi aussi. Voulez-vous libérer votre âme? Non. Ah, oui, tu fais libérer ton âme. Ah, on peut abandonner, du coup, on n'est pas obligé de mourir. Vas-y, abandonne. Et là, ils vont te dire, est-ce que tu veux ressusciter? Tu mets... Enfin, lis-moi le message, je vais te dire... Vous venez de succomber à vos blessures. Vous pouvez libérer votre âme, pour rejoindre le cimetière le plus proche. Voulez-vous le libérer? Votre... Ouais. C'est trop cool, on va plus à deux à l'heure. Oui. Vous avez atteint le monde des esprits, il vous faut trouver une statue de phénix, blablabla, ok. Et là on va à la map du cimetière. Maintenant que vous êtes tous en fantôme, vous allez en moins 21, moins 61. Je dois traverser les bois de Litneg, s'il te plaît quoi. Oui, la première fois que je les vois. Qu'est-ce qu'il y a toi? La première fois que je les vois les bois. Oh Couléolé. Ouais c'est le trouléolé. C'est la première fois que je vois ces mobs. Est-ce que tu peux rappeler les coordonnées parce que du coup je les ai pas entendues. Moins 21, moins 61.
Il faut y aller à pattes. Oui. Oui. Non, en volant. Oui, oui aussi. Oh, en flottant. Pour une fois que c'est pas une vanne. C'est quoi le jeu de mots avec Litneg? Gentil. Les bois du gentil. Comme le gentil monsieur, souviens-toi. Et si tu te souviens pas, tu vas voir les clips que j'ai fait. Le mec il s'en bat les couilles quoi. bat les couilles ouais. Je suis arrivé sur la carte. Chouette. Donc maintenant je vais rentrer dans cette putain de tombe. C'est la tombe qui est ouverte, hein, pas celle cliquable. On peut pas y aller. Non, faut pas cliquer dessus, faut te mettre sur la case qui est juste devant. Ok. Ensuite on parle à Tsog. On peut oui, pas. La ghost. Et on peut pas parler. Il faut vous placer. Faut vous placer exactement sur la même case que lui. Ah ouais, on a fait 4 mises à jour. C'est vraiment nul, ouais. Le coffre caché par Tsog. Attends, j'attends Guillaume. Tu veux lui faire peur? Mais non, je... Elle est pas sur cette map, Il est pas sur cette map, le coffre? Attends... Non. Non. Bon, bah il s'en va. Merde! Ah! Il vient d'arriver. Tu vas sur la même carte... Enfin, la même case que lui. C'est lui. La même case, voilà. Et maintenant, on ressort. C'est tout? Oui. Tout ça pour ça, oui. Maintenant, vous pouvez retourner au Phoenix. C'est une blague? Ben non. C'est pas un peu proche? Oh. Oh non. Faut repartir à Babelwood-les-Bains. Ben, faut retraverser le bois. Super. Mais y'a pas de phénix dans le cimetière? Ben non. Pas trouvé en tout cas. Attends, je vais ouvrir ma carte pour voir s'il y en a pas un autre plus près. Mais ça m'étonnerait, s'il nous a mis là-bas, c'est pas pour rien. Ah non. C'est celle plus près. Oh putain. Qu'est-ce que ça fait? On peut rentrer en combat contre des mobs? Non. Non, quand t'es en fantôme, non. Elle est encore longue la quête après ou pas? Non. Ok. Faudra pas oublier d'aller voir l'index aussi. Hein. Oui, pour l'index. Valider le. Pour valider le donjon bloc. Ah oui, ok. Avant, dans le bois du Neg, il y avait des mulots. Ouais. Mais ça... C'est putain, je suis deg. Il y a du bois partout, quoi. Je peux pas le ramasser. Oh, non, je suis vivant. Vivant, vivant.
Et où le coffre? Ok. Tu... Non, bah, non. Il y a un mec qui s'appelle Stéphane Burne. C'est presque pareil. Et c'est encore plus moche si tu dis que tu peux passer de l'un à l'autre très vite. On va où maintenant? Ça y est, tout le monde est ressuscité? Non. Non. Arrête de dire oui, c'est pas vrai, regarde, je suis encore un fantôme. Stéphane Burne. Voilà, là j'ai ressuscité. Maintenant, on fait quoi? On va Mais attends, putain, mais il manque quelqu'un! Mais... il est pénible! Il est pressé, lui. Un peu, et maintenant, maman, et maintenant, et maintenant. Mais on a 3 minutes pour terminer le CV! Oh là là! Oh là là! La clepsydre. Félinra, tête de couille. Putain, regarde qui c'est qui vient d'arriver. C'est bon, pas un random? Et maintenant, maintenant, vous allez à Suffokia. D'accord. N'oublie pas de remettre ta monture. Ah. Ouais. T'es sud ou nord? Quoi? Île de Côté Suffolk. Nord, sud ou dans Suffokia? Dans Suffokia. Ok. Vous prenez le transporteur et vous allez au quai de la voie du temple. Ok. Ok. Le petit bateau qui a blanc et bleu. Non mais ok. Non mais je parle à Guillaume s'il te plaît, donc tu te calmes. D'accord. C'était pas là. Je suis aveugle. Où est Guigui? Je suis à la voie du temple. Ok, très bien. On va où? Maintenant vous équipez la pelle. La pelle de Bozaï. On va creuser dans l'eau. Non, vous allez pas creuser dans l'eau, non. Je peux pas la mettre. Pourquoi? Force supérieure à 1 et chance supérieure à 5. C'est une blague. Eh ben, tu réinitialises tes caractéristiques et tu mets un point. Oh, putain. Oh, la... C'est vrai que j'ai rank ça à foutre, quoi. Putain. T'as juste appuyé sur un bouton. Après, on va où? Après, tu montes d'une map. Mais je peux toujours pas la mettre, mais pourquoi? C'est supérieur à 1. Non, mais c'est une blague. Je suis monté d'une map. Un canard avec les pattes en l'air. Vous entrez dans le donjon. Dans le tunnel. Ah mon donjon. La lumière au bout du tunnel. Vous prenez la porte qui est sur la gauche. Ok. Et là, vous cliquez sur l'urne. Okay. Je déteste cette map. C'est joli, un tout. Pourquoi? Parce que ça me rappelle... Ça me rappelle le Mercator et j'ai des très 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 mauvais souvenirs. D'accord. Avec la quête que j'ai jamais finie. Le truc de Boss Koto, là. Ah oui. Genre, je l'ai jamais fini. Je n'ai jamais su faire le combat. Pensez à remettre votre cac. Oui. Et la Drago Zinz. Mais attends, notre pelle a servi à quoi? Parce qu'au final, elle est juste rentrée dans un temple pour récupérer une urne. Ouais, on est d'accord. Oui, ouais. Mais tu pouvais pas cliquer sur l'urne sans avoir équipé la pelle. Allez, je vais remettre mes statistiques aussi, hein, avant de... C'est faire bon. De la merde. Bon, là, du coup, on retourne à Bonta. Et vous retournez à Bonta et vous finissez la quête. Bonjour, fais vite car d'autres recrues. Ça tombe bien, il est 19h pile. Ouais. Ben voilà. Impec. Bon, ben merci de nous avoir suivis ce soir. Très mouvant, très mouvementé, de l'orage alors qu'il y a du ciel bleu, je ne sais plus bien parler. Aussi, hein. Stéphane Burne, ne l'oublions pas. Tout à fait, Thierry. Et qu'est-ce qu'il y avait de notable? Je sais plus. Voilà.
Bon, bah, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va faire la quête de l'ordre et on reprendra les donjons, je pense. Oui, on va faire ça, je pense. Ouais, bon. Au pire, on vous le dira, tout simplement. Allez, sur ce, bisous tout le monde, au revoir. Au revoir. Au revoir.